Bien, nous abordons maintenant le paragraphe 5 consacré à la géométrie. Alors, géométrie de la surface. Donc on ne va pas intégrer là-dedans les effets de l'incidence ou autre. Alors, cette géométrie de la surface, quand on la regarde, on peut la voir à plusieurs échelles. Plusieurs échelles plus ou moins précises, on va dire. À l'échelle du centimètre, c'est-à-dire à l'échelle de la longueur d'onde qui est centimétrique, nous allons trouver certaines propriétés et ce sera pour nous essentiellement des propriétés liées à la rugosité. Une deuxième échelle qui est une échelle macroscopique sur le paysage, qui est l'échelle du relief. Et à ce moment-là, là, on va dire que on est entre l'échelle du pixel et celle de l'image globalement. C'est-à-dire, si ça concerne un paysage dans un massif ancien, on aura 30 km qui seront concernés avec des pentes plus ou moins importantes. Et on a fait apparaître ici une troisième échelle qui est une échelle intermédiaire. Une échelle intermédiaire qui est celle des structures qui se trouvent en surface. Donc, je ne vais pas faire l'économie d'une figure. Voilà, ceci est le sol et je vais inventer des structures. Alors, je vais prendre des structures assez simples. Par exemple, la végétation. Voilà. Et selon le type de végétation, alors ça pourrait être des bâtiments, mais les bâtiments posent plus de problèmes d'interprétation immédiate parce que on ne sait pas dans le détail ce qui peut se passer sur une bâtisse. Dans la végétation, on y voit plus clair. Et donc ici, on a une échelle qui concerne, disons, le mètre ou le décimètre. Et donc cette échelle intermédiaire, on va l'appeler métrique. Ici, on est au décamètre ou au kilomètre ou à l'hectomètre. Et ici, on est au centimètre. Donc ce sont trois échelles qui permettent d'analyser les images en se posant des questions sur le milieu concerné. Alors, on va illustrer tout d'abord ces trois échelles. Pour être simple, vous avez ici un paysage de relief que l'on voit au sud de Saint-Domingue, pas loin d'Haïti. Vous avez un joli plateau. Manifestement, ceci n'est pas un problème d'échelle centimétrique, c'est des échelles hectométriques, voire kilométriques. On est dans le relief. Si on regarde cette image, on a au contraire à gauche ici un semis de cailloux, c'est un peu comme dans le jardin ici, mais en plus gros, avec des cailloux de 2 cm, 1 cm et demi. Et donc là, on est typiquement dans un problème de rugosité. Et sur la droite, on a le lit de la Durance en France avec des galets qui sont décimétriques, 1 décimètre, 5 cm, donc des problèmes de rugosité associés aux longueurs d'onde centimétriques. Et l'image du bas nous indique différents types de végétation, où l'on voit clairement, effectivement, que pour décrire ces végétations, on a besoin d'introduire des formes, et des formes qui sont décimétriques, métriques, des troncs, des feuilles. Et voilà, les trois échelles qui vont nous intéresser. Alors, on va amorcer la présentation avec l'effet de la rugosité dans le cadre de la première échelle, donc de l'échelle centimétrique. Nous sommes sur l'échelle centimétrique et la rugosité est notre facteur important. Alors là, il y a une habitude qui est de quantifier les effets de la rugosité en introduisant deux variables associées au relief que je dessine sommairement. D'abord, l'écart type des hauteurs. Sigma H, on comprend ce que c'est, c'est l'écart moyen au carré, racine carrée 2 par rapport à un niveau moyen, et puis éventuellement ce qu'on appelle la longueur de corrélation, que l'on ne va pas trop discuter ici, qui est déjà un paramètre plus sophistiqué, qui indique quelle est la répétitivité à l'intérieur de ces aspérités lorsqu'on regarde l'image. Contentons-nous du sigma H pour montrer que c'était en optique, dans le domaine micro-ondes, un paramètre qui intervient et on est habitué à introduire ce qu'on appelle le seuil de Rayleigh. Alors que dit ce seuil de Rayleigh?
E-I-G-H. Il dit la chose suivante, c'est que quand vous avez une onde plane qui arrive sur une zone avec du relief, on fait des calculs de différence de phase entre les points les plus hauts et les points les plus bas. Alors je vais dessiner un point haut, voilà, avec une réflexion qui dans le cadre relais est spéculaire pour l'explication. Hein, voilà. Et on s'intéresse, entre un point haut et un point bas, à la différence de marche qu'il va y avoir entre le faisceau incident. Donc là, je dessine un front d'onde. Hein. Ça, c'est un front d'onde. C'est-à-dire que tous les points qui sont sur le front d'onde ont le même chemin optique avant. Et après, je redessine un deuxième front d'onde, réfléchi. Ça, c'est incident. Après la réflexion. Et la différence de chemin optique entre les deux, elle est donnée par deux fois cette distance-là. Si j'appelle petit h la hauteur entre les points hauts et les points bas, et ici j'ai une différence de chemin qui est deux fois, bon, deux fois parce qu'il y a à gauche et à droite, hein, et j'introduis l'incidence ici, je retrouve l'incidence entre le faisceau incident et le faisceau réfléchi ici, voilà, ici, pardon, là, voilà, petit i. Et donc, ce chemin ici est égal à 2h cosinus i. Je répète, l'incidence est ici, hein, voilà, hop. Et j'ai ici une différence de chemin optique qui est 2h cosinus i. Nous réfléchissons en termes de réflexion, et en termes de réflexion, on va dire par exemple que si la différence de marche entre deux rayons de ce type est supérieure à lambda sur 4. Alors pourquoi lambda sur 4? Parce que lambda sur 4, en termes de différence de marche, ça correspond à 2π sur 4 en termes de différence de phase. Puisque lambda sur 4, pour chaque lambda j'ai 2π, donc 2π sur 4. Et donc ça, ça me donne un h supérieur à lambda sur 8 cosinus i. Si j'ai cette relation-là, ça veut dire que l'effet de phase en termes réfléchis est supérieur à une certaine valeur, donc on réduit, il y a une réduction dans ce cas-là du flux réfléchi, d'une manière spéculaire, ça veut dire qu'il y a augmentation du flux réfléchi en rétrodiffusion. C'est une espèce de système où s'il y en a moins qui va d'un côté, on est sûr qu'il va de l'autre côté. Et donc si lambda est supérieur à 8 sur cosinus à 8 à h, voilà. Si h est supérieur à lambda sur 8 cosinus i, on dirait qu'on est légèrement rugueux. Ce qui veut dire que si h est inférieur à lambda sur 8 cosinus i, on considère qu'on est lisse. Alors évidemment, on peut majorer cette valeur ici. Au lieu de mettre lambda sur 4, on peut mettre lambda sur 2. Voilà. Et si on met lambda sur 2, on va voir des termes du genre lambda sur 4 cosinus i. Et si on a ça, on dirait qu'on a, à ce moment-là, qu'on est rugueux, hein, complètement. Voilà, le seuil de relais apparaît dans ces calculs en termes de réflexion sur la manière dont le faisceau incident est réfléchi, plus ou moins, avec plus ou moins de déphasage entre les points hauts et les points bas. Hein, et on a ces seuils, hein, on dira si h est supérieur à lambda sur 4 cosinus i, on est rugueux, si h est inférieur à 8 lambda sur 8 cosinus i, on est lisse. Voilà, c'est des raisonnements qui permettent de quantifier les résultats. Du côté de la longueur de corrélation, expérimentalement, des études ont été faites, et effectivement, cette longueur joue un rôle. Ça veut dire que si vous avez des cailloux qui sont dispersés comme ça et comme ça, avec peut-être le même sigma h, vous n'aurez pas le même niveau de rétrodiffusion. Voilà donc ce qui permet de quantifier la rugosité. On utilise le terme donc seuil de relais qui est lié à la longueur d'onde. Alors évidemment, quand on a un lambda de 6 cm ou un lambda de 25 cm, je pourrais en ajouter mais je ne l'ajoute pas, hein, on comprend bien que les seuils ne vont pas être les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on aura plus rapidement un sol rugueux que là. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la mer vue en bande L et vue en bande C du côté de Douala. Hein. Donc ça, avec 25 cm, les sols caillouteux sont souvent peu rugueux. Avec 6 cm, les sols caillouteux sont souvent très rugueux. Ça vient de ces histoires de seuil de relais. On va regarder
quelques illustrations. Ici, vous avez une illustration qui est classique maintenant, c'est celle d'une pollution marine. La pollution marine entraîne en surface la présence d'huile et l'huile modifie les caractéristiques capillaires de l'eau et du coup la rugosité liée à l'interaction avec le vent devient très faible. Du coup, les taches d'huile en surface vont se voir en noir parce que la rétrodiffusion vers l'antenne sera quasiment nulle. Tout se fera en spéculaire. Donc vous avez sur cette illustration ce qui se passe. La mer normale est relativement rétrodiffusante, la tache d'huile ne l'est pas et donc elle apparaît en noir sur les images. Ici vous avez à gauche un exemple d'inondation. Alors la partie inondée, c'est-à-dire qui normalement est en noir sur l'image, a été représentée en bleu. C'est de l'illustration, ça permet de montrer qu'on a de l'eau qui s'est étendue. C'est sur la vallée du Rhône en France. Alors, quel est l'intérêt de cette réflexion? Eh bien, c'est qu'on voit immédiatement que l'inondation est un événement que l'on peut assez facilement suivre avec les images radar. Ici, c'est de la bande C, ce serait pareil en bande L, même mieux en bande L. On est capable de suivre les inondations sans difficulté, l'augmentation, la sortie du lit d'un fleuve, à condition qu'il n'y ait pas de tempête associée sur l'eau, donc avec une très forte rugosité. Sur la droite, vous avez une autre illustration de sol extrêmement peu rugueux, très lisse, c'est celui des brûlis. Des brûlis qui accompagnent donc périodiquement la gestion des territoires dans des zones agricoles. Ici, c'est du côté de Yaoundéré, au Cameroun. Le sol vu à l'œil est noir parce qu'il y a de la cendre. Vu avec le radar, il est très sombre parce qu'il est lisse. Donc la correspondance est immédiate ici. Autre exemple relatif à la rugosité, mais là cette fois-ci on a une rugosité plus importante. On est ici au milieu du Sahel, c'est un point d'eau, il y a des petits chemins qui circulent, qui viennent vers ce point d'eau, et ce point d'eau est caractérisé par une très forte rugosité liée au piétinement du sable par les bêtes. Donc on a une forte réponse, c'est une rugosité centimétrique. On peut l'évaluer cette rugosité centimétrique puisque sur l'image du milieu à droite, vous avez le sable piétiné et vous avez la béquille d'un collègue à l'époque qui peut vous servir de référence centimétrique. Le sable piétiné, comme sur les plages, il a des aspérités de 5 à 6 cm. Ça devient très rugueux en bande C. Ensuite, l'autre illustration, c'est une illustration qui est sur le site du Centre canadien de télédétection. Vous avez une granulométrie différente pour des grès et des calcaires, entre 1 et 5 cm pour les grès et 4 cm pour les calcaires. Alors c'est intéressant, les chiffres viennent du Centre canadien de télédétection. On n'est pas sûr que ça ait donné lieu à une mesure très précise, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Simplement, le géologue a vu, il s'est estimé sa granulométrie là, et on voit qu'avec le calcaire, à 4-5 cm, on a une très forte rétrodiffusion, laquelle rétrodiffusion est beaucoup plus faible, à 1,5 cm. On est dans les seuils qui étaient indiqués tout à l'heure avec le critère de Rayleigh. Voilà, donc on est là en face d'un phénomène, d'une mesure liée à la rugosité qui est relativement simple et bien intéressant pour un certain nombre d'applications.